Passez un moment agréable devant votre programme avec TEDIS, espace de coworking à Auxerre. Chercher à rendre artistique la photographie à travers des mises en scène, c'est ce que propose Wanda Skonistny. Elle est originaire de Villeneuve-l'Archevêque et c'est ici qu'elle utilise sa demeure comme point de chute pour réaliser ses photos. Ma démarche a toujours été de construire la photographie avec des mises en scène, des décors. Et puis j'ai un amour particulier pour la nature, les forêts, la botanique. J'ai été invitée en tant qu'artiste photographe par des associations. Et au fur et à mesure, donc il y a eu des gens qui ont voulu que je leur fasse partager mon savoir-faire photo. En réalisant des journées à thème, des stages. Je me suis prêtée à cet exercice comme à un labo, c'est pas comme au club photo, hein. C'est vraiment, on se donne un thème et on va creuser, se mettre en immersion autour d'un thème et travailler tous ensemble sur une journée. Le fait d'avoir eu cette expérience avec des gens m'a donné l'idée de poursuivre et de proposer ma maison. L'idée de ces stages est qu'à la fin, ils repartent avec leur composition faite de A à Z. Elle profite donc de sa maison pour recevoir des stagiaires via son site internet. Je propose aussi aux gens, individuellement, de rentrer dans ces univers, dans ces décors et de construire autour des gens. Un univers. Moi, je suis vraiment inspirée par les vieilles photographies. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de refaire des décors avec des costumes, avec vraiment des mises en scène, avec des jeux d'éclairage. J'ai toujours cherché dans mon travail photographique à aller au plus profond des gens. Et c'est dans la forêt et avec les végétaux que j'arrive en tout cas à créer cette émotion. J'aime aussi réaliser des natures mortes ou je me fais des herbiers photographiques avec du cyanotype, les anciens procédés photo. Je suis à la recherche de parents qui souhaiteraient me confier leur nouveau-né pour construire avec eux des univers, des petits cocons, donc j'ai des paniers, etc. C'est un projet que je cherche à développer. J'ai déjà réalisé une série que j'appelais Les petites graines avec des nouveau-nés, mais actuellement je suis en recherche de nouveau-nés pour continuer cette série. Malgré l'immensité de ce lieu, à l'avenir, Wanda Skonistny souhaiterait modifier sa maison en point de stockage et avoir un autre domaine de travail à Sens.